creepy, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Le 510 Motor Club. Ça a commencé par des courses de rue illégales et en moins de 5 ans, c'est devenu un gang solide et organisé. Avec une filiale dans chaque région. Les voitures volées partent vers le sud-ouest. La contrebande remonte vers le nord-est. En fait, c'est pas compliqué. Les 510 font du trafic avec tout ce qui tient dans une bagnole. Voilà nos cibles. L'agent spécial Bill Coburn du FBI et Dennis Jefferson, alias Shiv. À eux deux, ils ont transformé les 510. Coburn s'occupe de trouver les contacts et tient les flics à l'écart. Et Shiv s'occupe du sale boulot. Les 510 se tatouent leur grade. Shiv est le roi, le V8. Ta mission est d'infiltrer le 510 Motor Club. Gagne ton tatouage et grimpe les échelons. Trouve les preuves dont j'ai besoin pour faire tomber Coburn et Shiv. Tu dois être parrainé par le chef d'une région pour obtenir ton premier tatouage. Gagne son respect sur le circuit local et progresse dans l'organisation pour atteindre Shiv. Sur la côte Est, c'est le règne de l'argent et des voitures. Ils font venir de belles bagnoles d'Europe et ils expédient du fric et d'autres marchandises. La zone est contrôlée par un type qui s'appelle Eric Tsu. Eric s'est fait à l'ombre de Shiv. Ils sont copains depuis leurs 13 ans. Ils se sont toujours serrés les coudes. Le problème d'Eric, c'est qu'il est instable. Et parfois, très instable. Ces derniers temps, des voitures ont disparu. Tout indique que c'est un membre du gang. Tout le monde sait que c'est Eric. Mais il est tellement proche de Shiv que personne n'ose l'accuser sans preuve. Pour les chefs des 510, il n'y a que le fric qui compte. Alors, si Eric ne rend pas rapidement l'argent qui manque, il y aura une guerre interne. Et une guerre interne ne le reste jamais très longtemps. Sûr et certain, des civils en feront les frais. Tu veux gagner tes galons ? Alors, aide Eric à rembourser l'argent qui manque, aussi vite que tu peux. Le sud est un no man's land. Les 510 tentent de contrôler cette région depuis des années. Beaucoup ont essayé, et ça s'est mal terminé pour eux. C'est à cause d'un seul type, Cameron Rockport, Cam. Il n'appartient à aucun gang, mais dans le sud, c'est lui le patron. Et il y a un paquet de types qui cherchent à s'attirer ses faveurs. Tous ceux qui connaissent Cam ont peur de lui. Le recrutement va être difficile. Si tu arrives à rallier des membres et à gagner du territoire, alors peut-être, et seulement peut-être, tu auras une chance de déboulonner Cam. Et là, le Sud sera à toi. Dans les Rocheuses, on peut acheter personne. Quand les 510 ont débarqué, les flics du coin ont constaté une explosion de la contrebande. Toutes les voitures qu'ils arrêtaient trafiquaient quelque chose. Alors ils ont dépensé l'argent saisi dans de l'équipement. Ils ne se sont pas laissés corrompre et ils se sont renforcés. Et ça, ça tue les 510. Tout le trafic des 510 transite par ce territoire. Que ce soit les voitures qui vont au sud ou la contrebande qui part au nord. La police tient le réseau routier. Shiv n'arrive pas à résoudre ce problème. Mais je connais un moyen. Les hackers savent contourner les problèmes. Si on tombe sur un barrage, on pourra l'éviter. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Si les flics bloquent les routes, on les prendra pas. Si on réussit, Shiv te nommera V6. Tu entreras dans son premier cercle. Ça tombe bien, c'est notre objectif. On y est, bonhomme. La côte ouest, le face-off. N'importe quel 510 de n'importe quel coin du pays rêverait d'être à ta place en ce moment. Même si toi, t'es ici pour... Tu vas devoir courir et surtout gagner. Harry dit que t'en es capable. Et ton tatouage le prouve. La vengeance, c'est un truc bizarre, Alex. Elle frappe aveuglément. Quand t'auras survécu au face-off et qu'il n'y aura plus que Shiv entre toi et le tatouage de V8, faudra que tu sois prêt. Quel que soit ton choix.
creepy, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight.